Nous saluons tous les amis Faisait la Caillou. Bienvenue sur Channel Paola Faisait la Caillou. Nous présentons une interview que le président Jovenel Moïse a gagné journée jeudi à matin bien bonnet ensemble avec le journaliste RFI qui est Radio France Internationale. Côté président Jovenel Moïse, il a répondu à questions sur divers problèmes pays à lui-même l'a traversé. Sorti dans le massacre qui était fait la Saline, sorti sous le monde qui a pas mouru dans la RIA, sous crise sociopolitique économique que le pays a traversé. Président Jovenel Moïse te répond à questions sur tout thème ça. Entendez, président Jovenel Moïse qui t'a répondu à questions, journaliste RFI. Je ne suis pas accroché à un mandat, je suis accroché à des réformes. Je veux parler de la réforme constitutionnelle, par exemple. Je veux parler de la réforme du secteur de l'énergie, de la digitalisation de l'administration publique. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise. Elle est réellement aiguë, mais nous pouvons profiter de cette crise pour faire de cette crise une opportunité. Nous avons besoin de stabilité dans le pays et pour trouver cette stabilité, il faut attaquer le système. Vous parlez du système. Lors de votre dernière conférence de presse, vous avez évoqué plusieurs contrats abusifs selon vous. Parmi ces contrats, l'un avait été signé, celui pour la rénovation de l'aéroport, par l'ancienne administration, celle de Monsieur Michel Martelly. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi les gardiens du système ou ce système que vous dénoncez, vous mettez le parti PHTK qui était celui de Michel Martelly et qui est celui sur lequel vous avez été élu? Ce contrat que vous avez parlé, oui, ce contrat a été signé sous l'administration du président Martelly. Mais je dois vous dire que la mise en place des garanties ont été faites lors de la transition. Mon équipe et moi, nous avons constaté que ce contrat ne respecte pas les intérêts de l'État. Et c'est pour ça que nous avons pris cette décision pour le peuple. Qui sont ces héritiers du système? Qui sont ces gardiens du système? Quel est ce système? C'est une excellente question. Alors, pour ne pas antagoniser le pays, je ne veux pas citer de nom, ni de nom d'institution, ni de nom de personne, parce qu'en fait, nous sommes dans un pays divisé, déchiré, et nous avons besoin, en fait, de mettre les gens ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, avec un pays en crise, lock, donc c'est l'expression depuis presque 6 semaines, les hôtels ferment leurs portes, des entreprises ont aussi congédié beaucoup de leurs salariés. Le constat aujourd'hui est alarmant sur le plan économique. C'est un pays à la dérive, Haïti. C'est vrai, il y a un problème, il y a un ras-le-bol, les gens sont exaspérés, il y a des entreprises qui ferment leurs portes, il y a des entreprises qui sont en train de réduire leur personnel. Mais comment profiter de cette crise pour faire de cette crise une opportunité? Nous sommes à ce carrefour-là. Ça demande beaucoup de dépassement de soi, ça demande beaucoup de sagesse et ça demande beaucoup de sérénité aussi au niveau des acteurs. L'économie haïtienne dévisse depuis plus de 2 ans. L'inflation a dépassé les 20%. La gourde a perdu un tiers de sa valeur en moins d'une année. Est-ce qu'il y a des erreurs politiques que vous identifiez? L'économie suit le politique. Nous avons mis sur pied un projet et nous avons travaillé avec les partenaires techniques et financiers. S'il y a en fait une erreur, à ce niveau, je dois dire que je le reconnais parce qu'on a pris un petit temps en plus. Ça nous a pris 2 ans. Et après 2 ans, et malheureusement, nous n'avons pas eu de gouvernement. La Chambre des députés a censuré le gouvernement. Les députés qui sont de votre majorité parlementaire. Il n'y a pas eu de gouvernement, ce n'est pas la faute de l'opposition, c'est votre majorité qui a voté contre. Le Parlement, c'est un Parlement autonome. Cette majorité ne veut pas dire que le président impose. Moi, je m'attendais à ce que je lance ce programme à partir du début du mois d'avril. La colère populaire qui s'exprime est liée aussi à l'insécurité. Il y a eu, non loin d'ici, le massacre dans le quartier de La Saline. Vous êtes resté silencieux. Les officiels qui, selon l'ONU, ont été impliqués dans ces meurtres de civils ont été remplacés très tardivement. Est-ce que vous regrettez ce silence de votre part et est-ce que vous regrettez ce temps qu'il a fallu pour que des officiels soient remplacés? Je ne pouvais pas agir sans recevoir une correspondance de la part du juge d'instruction me disant que je dois mettre ces fonctionnaires à la disposition de la justice. Je l'ai fait tardivement, c'est parce que je vois beaucoup de gens parlent de ce dossier. J'ai dit bon, j'ai pris la décision de les remplacer. Et votre silence sur les victimes et les proches des victimes de la Saline? Je n'ai pas de silence sur les victimes de la Saline. J'ai présenté en maintes fois mes sympathies à ces victimes, à tous ceux qui ont de près ou de loin connu des moments pareils. Quand un dossier est entre les mains de la justice, tout le monde doit se taire.
en parlant de la justice et justement du dossier Petrocaribe, qui est celui qui a lancé le mouvement de contestation à l'été dernier. L'une de vos entreprises est épinglée par la Cour supérieure des comptes comme au cœur d'un stratagème de détournement de fonds. Avant que votre entreprise ne soit épinglée, vous aviez dit faire confiance à cette Cour. À l'issue de son rapport, vous avez demandé un audit auprès de l'Organisation des États américains. Il y a une confusion. Est-ce que finalement vous faites confiance à la justice haïtienne sur ce dossier ? Il n'y a pas de confusion. Je dois premièrement vous dire, au contraire, c'est pour donner la confiance à tout le monde. Il faut un procès équitable où il ne va pas y avoir de chasse aux sorcières ni de persécution politique. Je suis président d'un pays du tiers-monde, mais je respecte la loi. Je respecte les institutions de mon pays. Est-ce que les institutions sont assez fortes pour remplir leur mission ? Ça, c'est la question. Aujourd'hui, le pays n'est plus sous la maîtrise des forces policières puisque certaines routes sont coupées depuis plusieurs semaines. On est en situation presque d'anarchie à certains endroits où le Far West domine, des gens rançonnent au quotidien les personnes qui voudraient passer. Vous venez de le dire, les gens qui rançonnent, qui font des barricades, mais ce sont des Haïtiens qui sont en quête d'emploi, qui cherchent à faire... Mais en fait, vous avez parlé des forces de l'ordre. Nous avons 20 000 policiers pour 12 millions de personnes. Le pays a besoin des réformes en profondeur. Vous parlez de réformes au quotidien. Les gens se demandent si demain ils vont pouvoir vaquer à leurs occupations, si demain ils peuvent mettre leurs enfants à l'école. Concrètement, en urgence, qu'est-ce qui peut être décidé ? Au moment où je vous parle, je sais qu'il y a plusieurs équipes qui sont à la CAE. La police est là, les travaux publics sont sur place, le ministère de l'Intérieur est là aussi, en train de voir comment trouver un modus operandi pour sortir, parce que nous n'allons pas pouvoir sortir de l'auberge avec toutes ces armes au niveau des groupes armés. Nous sommes en train de travailler pour que la paix revienne, pour que le peuple haïtien retrouve sa sérénité, pour que les enfants puissent retourner à l'école. Je ne suis pas accroché à un mandat, je suis accroché à des réformes. Je veux parler de la réforme constitutionnelle, par exemple. Je veux parler de la réforme du secteur de l'énergie, de la digitalisation de l'administration publique. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise. Elle est réellement aiguë, mais nous pouvons profiter de cette crise pour faire de cette crise une opportunité. Nous avons besoin de stabilité dans le pays et pour trouver cette stabilité, il faut attaquer le système. Vous parlez du système. Lors de votre dernière conférence de presse, vous avez évoqué plusieurs contrats abusifs selon vous. Parmi ces contrats, l'un avait été signé, celui pour la rénovation de l'aéroport, par l'ancienne administration, celle de Monsieur Michel Martelly. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi les gardiens du système ou ce système que vous dénoncez, vous mettez le parti PHTK qui était celui de Michel Martelly et qui est celui sur lequel vous avez été élu ? Ce contrat que vous avez parlé, oui, ce contrat a été signé sous l'administration du président Martelly. Mais je dois vous dire que la mise en place des garanties ont été faites lors de la transition. Mon équipe et moi, nous avons constaté que ce contrat ne respecte pas les intérêts de l'État. Et c'est pour ça que nous avons pris cette décision pour le peuple. Qui sont ces héritiers du système ? Qui sont ces gardiens du système ? Quel est ce système ? C'est une excellente question. Alors, pour ne pas antagoniser le pays, je ne veux pas citer de nom, ni de nom d'institution, ni de nom de personne, parce qu'en fait, nous sommes dans un pays divisé, déchiré, et nous avons besoin, en fait, de mettre les gens ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, avec un pays en crise, lock, donc c'est l'expression, depuis presque 6 semaines, les hôtels ferment leurs portes, des entreprises ont aussi congédié beaucoup de leurs salariés. Le constat aujourd'hui est alarmant sur le plan économique. C'est un pays à la dérive, Haïti. C'est vrai, il y a un problème, il y a un ras-le-bol, les gens sont exaspérés, il y a des entreprises qui ferment leurs portes, il y a des entreprises qui sont en train de réduire leur personnel. Mais comment profiter de cette crise pour faire de cette crise une opportunité ? Nous sommes à ce carrefour-là. Ça demande beaucoup de dépassement de soi, ça demande beaucoup de sagesse et ça demande beaucoup de sérénité aussi au niveau des acteurs. L'économie haïtienne dévisse depuis plus de 2 ans. L'inflation a dépassé les 20%. La gourde a perdu un tiers de sa valeur en moins d'une année. Est-ce qu'il y a des erreurs politiques que vous identifiez ? L'économie suit le politique. Nous avons mis sur pied un projet et nous avons travaillé avec les partenaires techniques et financiers. S'il y a en fait une erreur, à ce niveau, je dois dire que je le reconnais parce qu'on a pris un petit temps en plus. Ça nous a pris 2 ans. Et après 2 ans, et malheureusement, nous n'avons pas eu de gouvernement. La Chambre des députés a censuré
le gouvernement. Les députés qui sont de votre majorité parlementaire. Il n'y a pas eu de gouvernement, ce n'est pas la faute de l'opposition, c'est votre majorité qui a voté contre. Le Parlement, c'est un Parlement autonome. Cette majorité ne veut pas dire que le président impose. Moi, je m'attendais à ce que je lance ce programme à partir du début du mois d'avril. La colère populaire qui s'exprime est liée aussi à l'insécurité. Il y a eu, non loin d'ici, le massacre dans le quartier de La Saline. Vous êtes resté silencieux. Les officiels qui, selon l'ONU, ont été impliqués dans ces meurtres de civils ont été remplacés très tardivement. Est-ce que vous regrettez ce silence de votre part et est-ce que vous regrettez ce temps qu'il a fallu pour que des officiels soient remplacés ? Je ne pouvais pas agir sans recevoir une correspondance de la part du juge d'instruction me disant que je dois mettre ces fonctionnaires à la disposition de la justice. Je l'ai fait tardivement, c'est parce que je vois beaucoup de gens parlent de ce dossier. J'ai dit, bon, j'ai pris la décision de les remplacer. Et votre silence sur les victimes et les proches des victimes de La Saline ? Je n'ai pas de silence sur les victimes de La Saline. J'ai présenté en maintes fois mes sympathies à ces victimes et à tous ceux qui ont de près ou de loin connu des moments pareils. Quand un dossier est entre les mains de la justice, tout le monde doit se taire. En parlant de la justice et justement du dossier Petro-Caribé, qui est celui qui a lancé le mouvement de contestation à l'été dernier, l'une de vos entreprises est épinglée par la Cour supérieure des comptes comme au cœur d'un stratagème de détournement de fonds. Avant que votre entreprise ne soit épinglée, vous aviez dit faire confiance à cette Cour. À l'issue de son rapport, vous avez demandé un audit auprès de l'Organisation des États américains. Il y a une confusion. Est-ce que finalement vous faites confiance à la justice haïtienne sur ce dossier ? Il n'y a pas de confusion. Je dois premièrement vous dire, au contraire, c'est pour donner la confiance à tout le monde. Il faut un procès équitable où il ne va pas y avoir de chasse aux sorcières ni de persécution politique. Je suis président d'un pays du tiers-monde, mais je respecte la loi. Je respecte les institutions de mon pays. Est-ce que les institutions sont assez fortes pour remplir leur mission ? Ça, c'est la question. Aujourd'hui, le pays n'est plus sous la maîtrise des forces policières puisque certaines routes sont coupées depuis plusieurs semaines. On est en situation presque d'anarchie à certains endroits où le Far West domine. Des gens rançonnent au quotidien les personnes qui voudraient passer. Vous venez de le dire, les gens qui rançonnent, qui font des barricades, mais ce sont des Haïtiens qui sont en quête d'emploi, qui cherchent à faire... Mais en fait, vous avez parlé des forces de l'ordre. Nous avons 20 000 policiers pour 12 millions de personnes. Le pays a besoin des réformes en profondeur. Vous parlez de réformes au quotidien. Les gens se demandent si demain, ils vont pouvoir vaquer à leurs occupations, si demain, ils peuvent mettre leurs enfants à l'école. Concrètement, en urgence, qu'est-ce qui peut être décidé ? Au moment où je vous parle, je sais qu'il y a plusieurs équipes qui sont à la carrière. La police est là, les travaux publics sont sur place, le ministère de l'Intérieur est là aussi, en train de voir comment trouver un modus operandi pour sortir, parce que nous n'allons pas pouvoir sortir de l'auberge avec toutes ces armes au niveau des groupes armés. Nous sommes en train de travailler pour que la paix revienne, pour que le peuple haïtien retrouve sa sérénité, pour que les enfants puissent retourner à l'école.